il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, amen. Adorons, adorons Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, amen. Au-dessus de tout nom, il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il va falloir que cette victoire dans le monde spirituel soit un acquis dans le monde physique. Pour cela, nous devons avoir certaines dispositions afin de manifester cette victoire. Merci Seigneur ce soir, parce que non seulement tu as notre force, tu nous donnes la force de pouvoir faire ce moment de jeûne, mais aussi à travers ce temps de prière, de parole, de nous changer, de nous transformer. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te bénisse. Dis à ton voisin ou ta voisine, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous sommes à notre deuxième jour de notre programme qui a pour thème remporter la victoire. Remporter, ou bien c'est quoi? Combattre jusqu'à remporter la victoire. Amen. Amen. Nous avons commencé la première partie hier. Aujourd'hui, nous avançons avec la deuxième partie. Et nous avons vu que combattre, c'est quoi? Combattre, c'est le fait de lutter contre une force, quoi? Adverse. Amen. Amen. Donc, combattre, ce n'est pas le fait seulement de se battre, mais c'est de se battre contre une force adverse. Amen. Amen. Et nous avons vu que la victoire, c'est quoi? C'est la récompense qu'on obtient au bout de quoi? D'une lutte. Amen. Amen. Cela veut dire que combattre jusqu'à remporter la victoire, c'est quoi? C'est mener une bataille contre les forces adverses. De telle sorte que quoi? Non seulement nous remportons le combat, mais on prend aussi le dessus. Amen. Parce Amen. Que tu peux remporter un combat sans prendre le dessus. Donc le plus important, c'est quoi? C'est d'abord de renverser les forces adverses et de prendre le dessus. Et la meilleure façon de prendre le dessus sur une force adverse, c'est d'abord quoi? De la renverser.
Amen. Et je prie que le Seigneur nous donne la force de pouvoir renverser toutes les forces qui s'opposent à nous. Amen. Amen. Et nous avons vu que toute notre vie, c'est une lutte. Veuillez m'excuser, peut-être que lorsque le thème a été lancé, combat jusqu'à à remporter la victoire, les uns s'attendaient à ce que nous allons parler des esprits. Amen. Non. Amen. Non, 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 non. Ce thème-là, on ne va pas l'aborder comme ça. Vers la fin, on va aller là-bas. Mais vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes échouent. Quelqu'un dit amen. Amen. Le thème, c'est combattre jusqu'à remporter la victoire. Cela veut dire, nous avons hier posé les bases. Nous avons compris que toute notre vie est une vie de quoi? De combat. Amen. Amen. Combattre, c'est quoi? C'est lorsque tu veux faire quelque chose qu'il y a une opposition. Donc, si tu veux travailler, dès qu'il y a une opposition, c'est qu'il y a quoi? Il y a un combat qui est là. Amen. Donc, amen. Le combat, c'est dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit travail, que ce soit quoi? Mariage, que ce soit financier, que ce soit quoi? Épanouissement. En tout cas, là où ce que tu as envie de faire, tu n'arrives pas à le faire. Ou ce que tu as envie de faire, il y a des forces qui s'opposent. Amen. Amen. Tu dois forcément combattre. Un, pour faire quoi? Pour renverser les forces qui s'opposent et de prendre quoi? Le dessus sur ces forces-là. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui ne veut pas combattre est égal à quelqu'un qui n'a pas envie de réussir. On est d'accord? Amen. Quelqu'un qui n'a pas envie de combattre est égal à quelqu'un qui n'a pas envie de réussir. Et nous avons vu qu'il y a la bataille quoi? Intellectuelle. C'est-à-dire que les esprits qui t'empêchent d'étudier, des esprits qui t'empêchent de retenir. Donc tu dois te battre pour quoi? Pour pouvoir être intelligent. Tu dois te battre pour pouvoir réussir. Il y a les quoi? Les combats au niveau de quoi? Du mariage, les forces qui t'empêchent de te marier. Il y a aussi des combats au niveau de, j'ai envie de dire encore, au niveau des finances. À chaque fois que tu fais quelque chose pour t'épanouir, il y a la pauvreté qui vient. Donc tu dois te battre contre la pauvreté pour réussir. Amen. Amen. Donc toute personne qui cherche à réussir sur la terre est obligée de mener une vie de combat. Mais nous avons vu que pour mener une vie de combat, il faut d'abord définir quoi? Le bon combat. Puisqu'on doit mener un combat dans tous les domaines. Et la meilleure façon de mener un combat, il faut définir ton combat d'abord. Parce que tous les combats diffèrent des uns et les autres. Le combat pour te marier est différent du combat pour travailler. Le combat pour voyager est différent du voyage, du combat pour pouvoir avoir, pour faire des affaires. Amen. Donc, il faut définir le bon combat. Et en plus, quand tu définis le bon combat, il faut définir quoi? Les ennemis de ce combat. Parce qu'en fonction du combat, il y a des ennemis qui viennent pour ce combat-là. Les ennemis anti-mariage sont différents des ennemis anti-travail. Amen. Amen. Donc, il faut connaître les types d'ennemis. Troisième des choses, vous avez compris, il faut faire quoi? Il faut prendre les armes adéquates pour combattre dans le combat. Amen. Amen. Parce que dans tous les combats, il y a des armes qui sont adéquates. Et aussi, il faut quoi? Les alliés qui vont t'aider à pouvoir renverser ou du moins gagner la bataille. Quelqu'un dit amen. Amen. Et hier, nous avons vu la bataille de façon spirituelle. Amen. Amen. Nous avons vu quoi? La bataille qui se passe sur quel monde? Sur le monde spirituel. Et dans cette bataille-là, nous savons que c'est la première bataille que tout enfant de Dieu doit d'abord effectuer. Pourquoi? Parce que lorsque nous savons que tout ce que nous voyons de façon physique n'a pas été fait par des choses physiques, mais par des choses quoi? Spirituelles. Donc, ce que moi je veux dans le monde physique, je dois d'abord quoi? Posséder cette chose où? Dans le monde spirituel. Et pour posséder cette chose dans le monde spirituel, il va falloir que je puisse combattre des esprits. Et c'est lorsque ces esprits-là, je vais pouvoir les vaincre. Et que cette chose va se transposer pour venir dans le monde physique. Mais aussi quand je vais venir dans le monde physique, il y aura aussi deux types de combats par rapport à la bénédiction que je cherche dans le monde physique. Amen. Amen. Et hier, nous avons vu que Dieu lui-même, qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il s'est battu. La Bible dit qu'à un moment donné, Satan a voulu faire un coup d'état. Satan et ses démons ont voulu renverser Dieu. La Bible dit que l'archange Michael s'est levé contre qui? Contre Satan et ses démons et il les a précipités. Amen. Amen. Dans une guerre spirituelle, on ne fait pas de compromis. Dans une guerre spirituelle, soit tu gagnes ou soit l'ennemi gagne. Mais il n'y a pas une affaire de juste milieu. Non. Il n'y a pas juste milieu là-bas. Amen. Dans la guerre spirituelle, c'est la théocratie. C'est Dieu qui gagne. Donc ça se fait selon les règles de Dieu. Et comme je vous ai dit, dans un combat, il y a toujours des règles. On a vu ça hier. Quelqu'un dit amen. Amen. Et j'ai terminé le message pour nous dire que Dieu nous a, dans le livre d'Apocalypse, on nous a laissé une commission. Une commission, Dieu dit, maintenant le salut et quoi, l'autorité de Christ. La puissance et le règne de Dieu est arrivé. Il dit quoi? Réjouissez-vous, cieux. Mais vous qui êtes sur la terre, il dit malheur à la terre. Car quoi?
le diable, c'est-à-dire que Satan et ses démons ont été précipités sur la terre. Donc, nous, j'ai envie de dire que nous héritons d'un combat de force. Donc, Amen. La terre, c'est une mise en garde pour dire qu'il y a quelqu'un qui a été combattu au ciel, qui a perdu sa place, mais qui cherche à venir faire quoi? À avoir une place où? Là où Dieu a placé l'homme. Soit tu laisses Satan prendre place, et puis toi tu quittes là, ou tu prends place, Satan s'en va. Amen. Là où Satan voulait prendre l'autorité, Dieu l'a chassé du ciel. Et Dieu dit à l'homme, de la même manière que je suis Dieu, mais j'ai pris mes anges pour aller combattre le diable, pour que le diable quitte. Le diable vient vers vous. Ne comptez pas sur moi directement pour combattre. Non, je serai avec vous dans le combat, mais vous levez-vous pourquoi? Pour mener ce combat à bien, afin de remporter la victoire sur le diable. Amen. Dis amen. Amen. Donc on a un premier ennemi connu des filles, c'est qui? Satan et ses démons. Mais suivez-moi bien. Dans le texte d'Apocalypse, chapitre 12, on dit quoi? Il a été précipité qui? L'accusateur de nos frères. Donc Satan est appelé quoi? Le diable. Il est appelé quoi? L'accusateur. Dis amen bien. Amen. Suis-moi. Chacun d'entre nous ici, nous avons été modélés. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on transporte le message autrement. Et je souhaite que tu sois attentif ou attentive. Parce que si tu as perdu de vue une idée, tu vas te mélanger. C'est vrai que nous devons lutter contre les esprits. C'est vrai. Et aujourd'hui, les enseignements que la plupart d'entre nous ont reçus, c'est que nos ennemis, ceux qu'on a à combattre, sont les sorciers, suivez-moi bien, c'est ça non? Sont les esprits, nos ennemis sont ceux qui sont à l'extérieur. On est d'accord? Même le diable, quand il vient, c'est un ennemi extérieur. Mais j'aimerais vous dire ce soir que la meilleure façon de pouvoir d'abord remporter une bataille extérieure, il va falloir d'abord nous-mêmes apprendre à gagner d'autres batailles que nous allons découvrir aujourd'hui. Amen. Tu vas comprendre pourquoi depuis là, tu pries contre les sorciers, ça finit jamais. Tu pries contre les ennemis comme l'échec, la sorcellerie, quoi encore, la pauvreté, ces ennemis extérieurs là. Tous les jours, ça ne finit pas. Tu vas comprendre. Le problème, c'est que il y a une bataille première que tu dois connaître, que tu dois mener et la remporter. C'est lorsque tu vas remporter cette bataille première là qui te donnera la force d'affronter la deuxième bataille qui sont les ennemis extérieurs. Amen. Non, le message va nous faire du bien. Dis amen bien. Amen. Regardez ce que 1 Pierre 5, le verset 7 dit. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Verset 8. Le verset 8. Soyez sobre. Suivez-moi bien. Le verset dit quoi? Soyez sobre. Oui. Veillez. Il dit quoi? Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire qui? Le diable, oui. Rôde comme un lion rugissant. Il rôde quoi? Comme un lion rugissant, oui. Cherchant qui il dévorera. Quelqu'un dit amen. Donc, ce n'est que la continuité de la commission. La Bible dit que le ciel est descendu sur la terre, animé de quoi? D'une grande colère. Amen. Mais la Bible dit que cet adversaire extérieur, là, quand il va venir, suivez-moi bien, quand il va mener un combat, il ne pourra pas nous atteindre d'abord. Amen. Suivez-moi très très bien. Quand il viendra, il cherchera à mener une bataille. Mais pour que la bataille ait lieu, il va falloir d'abord que toi tu ouvres la porte. Ouais. Parce que la Bible dit, le diable vient, il rôde autour de nous, cherchant quoi? Qui dévorer? Ça veut dire que le diable cherche avec qui il va combattre. Amen. Même si Dieu a dit malheur à la terre, le diable arrive avec une colère ardente, cherchant qui va dévorer. Mais en réalité, il ne sait pas qui va dévorer. Oui. On est d'accord? Amen. Le diable, on sait dans sa tête, il vient pour faire parable. Mais il vient faire parable avec tous les hommes. Mais les hommes, nous sommes beaucoup. Amen. Amen. Donc les hommes avec qui il sera en parable, ou du moins, c'est vrai qu'il y a un parable, un conflit anticipé. Mais où le conflit aura lieu, comme la guerre s'est passée dans le ciel, lui et puis les anges de Dieu ont combattu. Pour qu'il y ait ce genre de guerre-là, il va falloir d'abord qu'il trouve la personne. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que le diable n'a pas directement accès à nous. Vous m'avez pas entendu? On dit rôde. Quand quelqu'un rôde, ça veut dire qu'il cherche. On dit cherche qui dévorer. Donc ça veut dire que tous les sorciers qui sont autour de nous, en réalité, ils nous cherchent. Mais s'ils nous trouvent, c'est parce que nous-mêmes, on a ouvert la porte. Amen. Vous me comprenez? Et la Bible dit, pour ne pas que le diable arrive à avoir accès dans notre vie, pour nous détruire, il va falloir d'abord que quoi? Ces personnes autour du... Suivez-moi bien. Les personnes autour duquel le diable rôde, il va falloir que ces personnes soient quoi? Sobres.
On est d'accord? Amen. Ça veut dire que la meilleure façon de lutter contre le diable, qui est l'attaque extérieure, qui est l'attaque qui vient de dehors, la meilleure façon de lutter contre les attaques qui viennent de dehors, c'est que toi qui dois lutter contre ces attaques, tu dois apprendre à être sobre. On se comprend? Amen. Donc si tu n'es pas sobre, le diable va rentrer. Il va te faire la guerre et il aura la victoire. Mais si tu es sobre, toutes les attaques qui vont venir de l'extérieur ne pourront pas t'atteindre. Suivez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sobre? Le mot sobre qu'on prend en matière de nourriture, c'est celui qui mange ou boit avec modération. Donc une personne sobre, c'est quoi? C'est une personne qui agit avec réserve. Amen. C'est une personne qui agit avec stabilité. En d'autres termes, une personne sobre, c'est une personne qui se maîtrise elle-même. Donc si je reprends 1 Pierre 5, verset 8, une personne qui arrive à se connaître jusqu'à se maîtriser fera de telle sorte que quoi? Le diable n'aura pas accès à lui. Amen. Mais une personne qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas ses forces, qui ne connaît pas ses faiblesses, le diable peut rôder et le diable va rentrer. Amen. Suivez-moi bien. Ça veut dire que la meilleure façon de résister contre les attaques des sorciers, des esprits méchants, c'est d'abord nous-mêmes apprendre à nous quoi? Maîtriser. Maîtriser notre vie. Maîtriser qui nous sommes. Maîtriser comment nous agissons. Donc si j'arrive à me maîtriser, alors je peux maîtriser quoi? La bataille extérieure. Mais pourquoi on dit sobre? Donc pour être sobre, pour te maîtriser, quand on parle de maîtrise, c'est qu'il y a quoi? Il y a des luttes. Amen. Donc, suis-moi bien. La meilleure façon de résister à la bataille extérieure, c'est d'apprendre à quoi? À maîtriser des batailles qui se passent d'abord à l'intérieur de nous. Amen. Ah non, ça vous fait du bien. Tous les jours, le feu sur les sorciers, ça ne prend pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à maîtriser des batailles qui se passent à l'intérieur de nous. Amen. Tant que tu ne maîtrises pas les batailles à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas maîtriser les batailles qui viennent de dehors. Tant que tu n'arrives pas à maîtriser les batailles qui sont à l'intérieur de toi, les sorciers vont toujours t'attaquer et ils auront le dessus. Amen. Ton problème, tu penses que c'est changer église sur église, pasteur sur pasteur qui va changer, qui va empêcher le diable de rentrer. Non. Ce qui empêche le diable de rentrer, c'est ta capacité à gagner les batailles qui se passent à l'intérieur de toi. Amen. Or nous sommes tellement figés sur les batailles à l'extérieur qu'on oublie que les batailles les plus importantes, c'est les batailles qui se passent en nous. Parce que ce sont les batailles qui se passent en nous qui donnent accès ou pas au diable en nous. Amen. Voilà pourquoi il dit soyez sobres. Comment arriver à se maîtriser? Regardez ce que Jacques 4 dit. Jacques, chapitre 4, verset 1. Le verset 1er. D'où viennent les luttes? Ah, il dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les combats qu'on voit, oui. Et d'où viennent les querelles parmi vous? Il dit d'où viennent quoi? Les querelles parmi vous, c'est quoi? N'est-ce pas de vos passions? Il dit n'est-ce pas de quoi? De vos passions qui font quoi? Qui combattent dans vos membres? Qui combattent dans nos membres. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit d'où viennent les paroles de façon extérieure? D'où viennent les querelles? Donc les querelles qu'on voit autour de nous, les paroles qu'on voit autour de nous, en réalité, leur vraie origine n'est pas physique. Leur vraie origine provient de quoi? D'un combat qui se passe dans nos membres. Amen. Oui, Seigneur. Si vous n'êtes pas dosé, il faut que vous soyez calme pour que vous compreniez. En réalité, quand tu vois une personne en train de toujours aimer parler à l'extérieur, en réalité, c'est parce que la personne elle-même, il y a des batailles dans son cœur qu'elle n'arrive pas à gagner. Et d'où viennent les batailles à l'extérieur que tu vois? Ça veut dire que si tu veux changer une personne querelleuse, c'est quoi? C'est pas de dire arrête de te battre. C'est de chercher à découvrir qu'est-ce qui se passe dans son cœur là-bas. Quels sont les tempéraments qui se mélangent? Vous me comprenez? Amen. Qu'est-ce qui fait que la personne fait? Sûrement que la personne a des frustrations. Vous m'entendez? Amen. La personne est en train de lutter contre la frustration. Le fait que toujours on te choque, on te dit tu vaux rien. Ça crée la frustration en toi. Et c'est cette frustration qui fait que dès qu'on te dit bonjour, tu es énervé. Amen. Donc, tu as beau dire à la personne, tu aimes toi te mettre en colère, il faut changer. La personne ne pourra pas changer. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as à l'intérieur, tu n'as pas encore géré sa frustration. Amen. On se comprend? Et dit d'où viennent les batailles à l'extérieur? C'est parce que ces batailles à l'extérieur ont commencé à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des batailles. Tu veux triompher dans cette vie? Tu veux réussir, travailler, voyager? Si tu veux avoir la victoire de façon physique, il va falloir faire quoi? Gagner la bataille à l'intérieur de toi. Amen. Et quelles sont les batailles qui se font à l'intérieur de nous? De telle sorte que, suis-moi bien, on n'arrive pas à être stable. Voilà pourquoi le diable agit en nous. Jésus dit quoi? Jésus,
se maîtrisait. Jésus avait gagné la bataille en lui. Voilà pourquoi il dit quoi? Le diable vient, il n'a rien en moi et il s'en va. Ça veut dire que le diable peut venir. Mais si à l'intérieur de moi, il n'y a pas de bataille, j'ai maîtrisé les batailles contre la colère, contre la rancune, contre toutes sortes de désordres. Si j'ai gagné cette bataille, il vient, il s'en va. Amen. Dis à quelqu'un, on doit gagner la bataille intérieure. On doit gagner la bataille intérieure. Mais quelle est l'origine des batailles aussi à l'intérieur? C'est qui est qui se bat à l'intérieur de nous? Il dit quoi? Il dit, n'est-ce pas de vos passions? De vos quoi? Passions. Dis amen. Amen. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a des batailles à l'intérieur? C'est le mot passion. C'est la passion qui crée quoi? Qui crée les palabres. Vous savez ce qui signifie le mot passion? Le mot passion, c'est un dérèglement des besoins naturels. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour des besoins naturels. Mais la passion, c'est lorsque le besoin naturel est déréglé. Ça veut dire quoi? Dieu nous a créés on a un besoin fondamental qui est manger. Dis amen. Amen. Tant qu'on mange normalement, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on laisse manger normalement et on pratique ce qu'on appelle la gourmandise est un dérèglement. C'est-à-dire que tu manges quand tu es rassasié. C'est ce qu'on appelle l'excès de table. Donc, une passion, c'est lorsque, suis-moi bien, tu fais cette chose jusqu'à ce que tu débordes, de telle sorte que Dieu, qui avait la première place, n'a plus la première place. C'est la chose maintenant qui prend la première place. Amen. On a besoin de manger. Mais notre but sur la terre n'est pas de chercher manger par rapport à Dieu. Nous cherchons Dieu et ensuite Dieu nous donne à manger. Amen. 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 C'est un besoin fondamental pour toi. Que toi et moi que nous habillons. Amen. Amen. Mais les passions qui combattent, c'est lorsque, je suis moins bien, une personne ne s'habille plus simplement. La personne s'habille pour se montrer. Donc, dans ta tête, tu as quoi? Tu es toujours en combat avec quelqu'un. Amen. Il faut qu'aujourd'hui, elle soit sapée plus que la soeur. Il faut qu'aujourd'hui, elle soit sapée plus que le frère. Vous me comprenez? Amen. Donc, ça fait que cette personne-là est toujours en train de se battre dans sa tête. Amen. Tu prends vis à la tilesse. Tu prends vis à la tilesse. Tu prends vis à la tilesse. Or, quand le besoin fondamental est là, tu sais que le plus important, c'est quoi? C'est de plaire à Dieu. Tu t'habilles de façon sobre. Amen. C'est un besoin fondamental que toi et moi, nous ayons de l'argent. Mais quand la passion rentre dans chercher l'argent, c'est lorsque l'argent devient plus important que Dieu et plus important que l'homme. C'est-à-dire que l'argent devient ta seule motivation pour laquelle tu te bats sur la terre. Il aura pas là en toi. Parce qu'à chaque fois que tu auras l'argent, tu vas le comparer par rapport à un frère qui est là. Ouais. Aujourd'hui, elle est venue, la personne est venue à Mercedes. Toi, tu es venu avec, comment on appelle, une Focus. Non, foutaise. Pourquoi la personne vient à Mercedes pour devenir Focus? Ta seule motivation, ce sera quoi? De chercher l'argent pour remplacer ta voiture là. Tu vas prendre au-dessus de sa Mercedes, c'est C200. Il faut que tu cherches une C300. Vous me comprenez? Donc, au lieu que tu sois en paix avec ce que Dieu te donne, puisque ce que Dieu te donne ne peut pas acheter quoi? La voiture avec laquelle tu dois te comparer, tu vas commencer à être mal à l'aise en toi. Amen. Tu vas commencer à te battre en toi-même. Amen. Normalement, on doit se battre en nous-mêmes. Pourquoi? Pour rechercher Dieu et non le matériel. Ah, tu t'attendais aujourd'hui chasser sorcier? Non. Tant qu'on ne gagne pas cette première bataille, on va toujours combattre les ennemis extérieurs. Ils seront là. Amen. Tu dois gagner des batailles contre l'ennemi du bon caractère que tu dois avoir. Quelqu'un dit amen. Amen. Et la vraie racine de ces batailles, suis-moi bien. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que Dieu nous a créés. Il dit que le Dieu de tout votre être. Il dit que le Dieu est tout puissant. Vous sanctifie de tout votre être. Il dit quoi? Quand tu as trouvé le verset, tu peux dire ça? Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Oui. Et que tout votre être, oui, l'esprit, oui, l'âme et le corps, oui, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Donc on Jésus. Voit que Dieu nous a créés en tant qu'un être qui a quoi? Qui a un esprit, qui est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Amen. 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 D'après ce verset. Donc l'homme est un être composé de quoi? Esprit, âme et corps. Donc c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ça nous fait de nous des créatures de Dieu. Amen. 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 Donc normalement, quand les besoins fondamentaux sont équilibrés, ton esprit est rassasié, ton âme est rassasiée et ton corps est rassasié. Amen.
Mais quand il y a des passions qui rentrent dedans, un veut prendre le dessus par rapport à l'autre. Oui. Parce que la hiérarchie de contrôle, c'est quoi? Quand Dieu nous a créé à son image, on est d'accord? Et quand il nous a créé à son image, il nous a créé en tant qu'esprit. Donc, nous avons, Dieu n'a pas d'abord formé le corps. Dieu d'abord a créé notre esprit. Dans Genèse chapitre 1, on vivait en esprit. Donc, la première entité, la première nature de l'homme, c'est que l'homme est esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, tous ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc, l'homme est un esprit. Deuxième des choses, dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu prit de la terre et il a soufflé. L'homme est devenu une âme vivante. Donc, l'homme a une âme. Mais l'âme la vit où? Dans un corps. Amen. Amen. Donc les trois entités, quand c'est équilibré, chacun sait ce qu'il veut, tu maîtrises la guerre, c'est ce que je veux dire. Mais quand le corps, qui est le troisième, veut prendre le dessus sur l'âme, ça crée un dérèglement. Amen. Et c'est ce combat-là, suivez-moi bien, qui crée le dérèglement, c'est ce qui crée l'accès au diable. Regarde ce que 1 Pierre 2, verset 11 dit. Oui. 1 Pierre 2, le verset 11. Bien-aimés, oui. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Doucement, il dit quoi? À vous abstenir des convoitises qui sont quoi? Charnelles. Qui font la guerre à l'âme. Ah. Donc, on sait qu'à l'intérieur de l'homme, il y a quoi? Il y a l'âme. Amen. Amen. Et la Bible dit que l'âme est combattue par une entité qu'on appelle quoi? Convoitise charnelle. Amen. En d'autres termes, la convoitise de la chair. Amen. Le corps est la chair. Mais quand la convoitise commence à prendre le dessus au niveau de la chair, amen. Cela combat ton âme. Ton âme, dans d'autres versions, c'est ton esprit aussi. Suivez-moi bien. Donc, il y a des guerres à l'intérieur de nous. Lorsque quoi? Suivez-moi bien. La partie charnelle de l'homme, c'est-à-dire que le côté humain de l'homme qu'on voit, qui est déconnecté de Dieu, Dieu prend le dessus sur l'âme, qui est la partie quoi? Intérieure de l'homme qui est connecté avec Dieu. Amen. Voici la bataille à l'intérieur de nous. Avant le péché, corps, âme, esprit, on était collé avec Dieu. Mais dès que le péché est rentré, amen, amen. On a vu que quoi? Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est venu vers l'homme et dit, où est l'homme? Adam, où es-tu? Dieu voit, c'est où Adam est. Mais il demande, où es-tu? En réalité, Dieu voit le corps seulement d'Adam, mais il ne voit pas son esprit qu'il avait mis en lui. Parce que le péché a séparé. Amen. Amen. Donc il y a une guerre qui se passe au niveau de ton âme. L'âme, c'est la partie quoi? Spirituelle. C'est la partie intérieure de toi qui se connecte avec Dieu. Maintenant, le côté charnel là, qui combat, c'est ton côté humain qui t'empêche de te quoi? De te connecter à Dieu. C'est-à-dire qu'en nous, il y a deux combats. Il y a une partie qui dit, suis Dieu. Il y a une partie qui dit, ne suis pas Dieu. Tant qu'on n'arrive pas à faire quoi? À gagner la bataille. C'est-à-dire que la partie qui dit « suis Dieu » avale totalement la partie qui dit « ne suis pas Dieu ». On sera toujours déréglé et le diable va nous atteindre. Amen. On se comprend maintenant? Amen. On se comprend mieux? Amen. Je vous ai dit que si tu ne me suis pas bien, tu seras perdu. C'est du lourd, hein? C'est du lourd. Et c'est important, il faut qu'on arrive à ce niveau. Parce qu'une question, c'est pas tous les jours chasser les mêmes sorciers et puis ils reviennent. Je vais te montrer comment remporter la victoire de façon totale. Sur nos ennemis extérieurs, mais ça dépend d'une quoi? Victoire totale sur la guerre à l'intérieur. Amen. La partie de nous qui nous dit fais l'œuvre de Dieu contre la partie de nous qui dit quoi? Laisse affaire de Dieu. Quand tu veux donner pour Dieu, la partie qui est connectée avec Dieu dit donne. La partie qui n'est pas connectée avec Dieu, oh, tu vas faire quoi? Si tu n'arrives pas à gagner cette bataille, tu ne pourras pas triompher totalement contre les sorciers. C'est de ça qu'il est question. Amen. La partie qui dit va à l'église, prie jeune. Contre la partie qui dit, oh, l'église là, c'est perte de temps. Tant que la partie qui te dit d'aller à l'église ne prend pas le dessus sur la partie qui dit ne va pas à l'église, tu auras toujours une faille. Et malheur à toi. Sur la partie qui concerne quoi? La convoitise charnelle. Prends le dessus. Tu es mort. Amen. T'as vu la partie, il faut plus, sinon, mon bien. Quand une personne décide de ne pas aller à l'église, en réalité, ce sont ces combats-là qui se passent à la personne. Ouais. Va, ne va pas. Habille-toi, ah, il n'est pas encore l'heure. Dors un peu. Tant que tu n'arrives pas à maîtriser cette bataille, tous les sorciers qui vont te combattre auront la victoire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Amen. Cette partie qui est en toi qui dit va à l'église quand tu peux. Et puis l'autre partie qui dit non seulement quand tu peux, quand tu veux.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu veut, tu dois être là. Tant que tu ne prends pas le dessus, la partie où il dit, va à l'église de temps en temps. C'est-à-dire que va à l'église quand tu as problème. Va à l'église seulement quand tu as problème. Si cette partie-là n'arrive pas à quoi? À être tuée pour que la partie qui dit, va à l'église, même si tu es malade ou pas, continue. Parce que tu ne vas pas à l'église pour ce qu'il te donne. Mais tu vas auprès de Dieu pour son amour. Quand cette partie-là va prendre le dessus, ne va pas. Va de temps en temps. Je te dis que tu seras équilibré. Et toutes les attaques extérieures contre toi, tu auras toujours le dessus. Amen. On s'est compris? Amen. Est-ce que ce n'est pas cette bataille qui se passe en nous tous? Mais qu'est-ce qui crée cette bataille? Très souvent, c'est le manque de spiritualité, c'est la religion. Les gens, au lieu de s'attacher à Dieu, ils sont attachés aux hommes et attachés à des principes que des hommes ont créés. Jésus a dit aux pharisiens, il leur a dit, vous délaissez quoi? La parole au détriment de vos traditions. Un homme religieux, c'est celui qui passe son temps à critiquer les autres religions. C'est de ça qu'il est question. Amen. Non, je me permets de citer les noms pour que toi et moi on se sente. Ah, toi tu es catholique, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Ça c'est l'évangélique qui dit ça. Celui qui est catholique dit aussi, les évangéliques vont mourir pour aller en enfer. Entre nous deux là, vous voyez, à cause de la religion, on a oublié qui nous tous on suit. Catholique, évangélique, on suit qui? Jésus. Mais quand on est religieux, ça fait qu'on est attaché au principe des hommes et non Dieu. Ça fait que, vous voyez, ça crée des batailles. Ne va pas. Va. Il n'est pas bon. Je vous dis, catholique, évangéliste, au ciel, on saura qui était dans la vérité. Amen. Dis amen. Amen. On peut avancer? Vous me comprenez? Donc tous les jours, feu sur les sorciers, oui. C'est bien beau que Dieu va révéler la source de tes problèmes. Mais en réalité, la réelle source de tes problèmes, c'est la bataille à l'intérieur de toi. Amen. Ne va pas à l'église parce que tu cherches travail. Tu viens à l'église parce que tu dois voyager. Parce que tu dois déposer ton visa. Non. Tant que tu n'apprends pas à gagner la bataille, je te dis, ne va pas à l'église parce que tu cherches visa. Mais que tu cherches à voyager ou pas, mais tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Si tu gagnes cette bataille-là, ou tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu pourras gagner la bataille contre tous les sorciers. Amen. Parce que c'est ce que le diable cherche avant d'entrer. On dit, soyez sobres, car il rôde autour de nous. Donc le diable est là, suivons bien, le diable est là et il voit où? À l'intérieur de nous. Vous m'entendez? Il voit à l'intérieur de nous. Et puis, suivez-moi bien. Il tire les ficelles. C'est vrai que c'est un ennemi extérieur. Mais les dérèglements des passions en nous, qui ont créé une partie, suivons bien, une partie qui ne suit pas Dieu, une partie qui suit Dieu, c'est dû par au diable aussi. Où? Dans le jardin d'Éden. On était bien avec Dieu, non? Il nous a fait pécher. Et quand il nous a fait pécher, ça a créé quoi? Le dérèglement. Suivez-moi bien. Satan que vous voyez là, il faut que vous compreniez qui il est. La Bible dit que nous ne méprisons pas les desseins du diable. Savez que le diable seulement ne travaille pas de façon extérieure. Mais j'aimerais vous dire, le combat où le diable se donne à 100%, ce n'est pas le combat où les mystiques t'attaquent. Non, ce sont les combats qui l'excitent à l'intérieur de toi. Amen. La partie qui t'enlève de Dieu, la partie qui ne veut pas que tu pries, la partie qui ne veut pas que tu jeûnes, c'est là où le diable travaille. Suivez-moi bien. On pensait jusqu'à là que le diable travaille à l'extérieur, puisqu'il arrive. Mais le diable, quand il arrive, puisqu'il est esprit, et que déjà il a envoyé l'homme déjà à pécher, il a déjà créé un dérèglement. Donc il faut qu'il dérange la partie là. Et vous allez savoir comment le diable travaille. Amen. Regardez ce que ce verset dit. Jacques 3. On a dit tout à l'heure la convoitise de la chair, non? Amen. Hein? La convoitise charnelle. Donc tout ce qui est charnel, c'est ce qui est quoi? Au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau humain. On est d'accord, non? Amen. Suivez-moi bien. Hein? Regarde ce que Jacques 3, le verset 14 à 15 dit. Jacques chapitre 3, le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle... Non, verset 13. Le verset 13. Oui. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Hé, donc tous les jours, tu dis aux gens, tu n'es pas sage, tu n'es pas sage. Tu vas voir la vraie sagesse et puis la fausse sagesse. Et dit, lequel de vous n'est pas sage? Lis. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Ok, donc celui qui est sage, il dit quoi? Celui qui est sage doit montrer ses œuvres par une bonne conduite. Reprends. Avec la douceur. Non, reprends. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc celui qui est sage et intelligent, il doit montrer qu'il est intelligent et sage par quoi? Par sa manière de se conduire. Amen. Être dans sa conduite, non dans le but d'écraser les autres, mais avec douceur, ça veut dire quoi? Tu amènes les autres à comprendre la vérité. Amen.
avec la manière, lui. Qu'il mode ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, la sagesse aussi à quoi? À une conduite et puis à une douceur. Amen. On est d'accord, non? Ok, maintenant, c'est pas encore fini. Il y a ce qu'il dit après. Le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer. Ah, doucement. Il dit si tu as où dans ton cœur? Donc, cette fois-ci, on se trouve où? Dans le cœur. Donc, il dit à l'intérieur de toi se trouve un zèle amer. C'est-à-dire que toi, tu es là. Tout est amertume dans ton cœur. Un zèle, c'est une énergie. Si tu as un zèle, c'est l'engagement. Si tu as dans ton cœur un engagement amer, tu es dans une relation, mais tu es engagé contre ton gré. Tu es dans quelque chose, mais tu es engagé contre ton gré. C'est-à-dire que ce que tu fais là, c'est amer. Ça ne te donne ni joie, ça ne donne ni joie à quelqu'un à côté de toi. Et si quelqu'un a ces choses amères dans son cœur, oui. Et un esprit de dispute. Merci. Et un esprit de dispute. Ça veut dire que forcément, quand quelqu'un garde quelque chose d'amer, forcément, tu as te discuter. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des batailles à l'intérieur? C'est notre capacité à faire quoi? À garder certaines choses douloureuses en nous. Amen. Le fait que tu gardes certaines douloureuses, si on douloureuses en nous, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Si tu as prononcé ça, effectivement, tu n'as pas oublié. Mais quand tu n'oublies pas, le problème c'est quoi? Même si on a subi une chose, mais qu'on a l'amour du pardon en nous, suis-moi bien. Même si on n'a pas oublié, mais le jour où on en parle, on n'a pas mal. Amen. C'est vrai, on ne va pas oublier. Mais si tu parles que tu as encore mal, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Mais si tu en parles que tu n'as pas mal, c'est que tu as pardonné. Amen. Oui, oui. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Et dit, ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Continue. C'est bon, c'est le verset. Cette sagesse oui, n'est point celle qui vient d'en haut. Ah, doucement. Il dit, cette sagesse qui amène à quoi? Zèle amer. Et puis discute. Il n'y a pas une sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse qui est comment? Regardez-le-haut. Mais elle est terrestre. Doucement. Jacques 3, verset 15, dit, cette sagesse est terrestre. Donc, ce qui est terrestre est égal à quoi, lui? Elle est quoi? Chanel. Donc, ce qui est terrestre peut prendre la forme de ce qui est Chanel. N'oubliez pas qu'on vient de parler de quoi? Convoitisons Chanel. Amen. Qui lutte contre quoi? L'âme. Amen. Et suivez-moi bien. Ce qui est Chanel peut devenir, regarde, diabolique. Ah. Non, ça, vous allez comprendre. On comprend à travers ce verset que ce qui est charnel, ce qui est humain, peut devenir quoi? Diabolique. Donc pourquoi est-ce que n'oublions pas la convoitise charnel? Lutte contre quoi? L'âme. Amen. Donc la convoitise charnel, qui est l'homme qui est déconnecté de Dieu, veut prendre le dessus sur l'homme qui est connecté avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette convoitise en réalité est excitée par le diable. Amen. Donc le diable nous combat de façon extérieure. Mais le diable aussi nous combat de façon intérieure. Donc tout ce qui est humain peut devenir quoi? Chanel et quoi? Diabolique. Ah, il y a un verset qui va te choquer maintenant. Je vais expliquer. Donc ça veut dire qu'il y a un côté de nous qui peut prendre la forme du diable. Aïe. Maintenant je t'explique, tu vas me comprendre. Dans Matthieu chapitre 16, vous vous rappelez de quelqu'un du nom de Pierre, à qui Jésus a posé la question à tout le monde. Qui dites-vous que je suis? Les autres ont répondu. Pierre a dit quoi? On est d'accord? Il a dit quoi? Tu es le fils du Dieu très haut. Amen. Jésus dit, tu es heureux. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est qui? Mais c'est Dieu, c'est mon Père qui t'a révélé. Amen. 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 Donc, il est en train de dire à Simon que cette révélation-là, tu as pu avoir accès parce que quoi? Tu as une connexion avec le Père. Amen. On est d'accord, non? Donc, c'est parce que Simon est connecté avec le Père qui connaît qui est Jésus. Donc toute personne qui n'est pas connectée avec quoi? Avec Dieu, ne peut pas connaître en réalité les choses de Dieu. Amen. On va parler affaire de Jésus. Tu prendras ça comme slogan. Pour nous, Jésus n'est pas un slogan. Jésus, c'est une personnalité vivante qui vit en nous et qui nous transforme tous les jours. Amen. C'est pas, suivez-moi bien. C'est quelqu'un à qui Dieu vient de parler. On est d'accord, non? Amen. Dieu vient de lui parler. Maintenant, Jésus-Christ lui dit, Pierre, dans quelque temps, les Juifs vont me mener, ils vont me lapider, ils vont me tuer. Ce même Pierre à qui Dieu vient de parler. Regarde ce que Pierre dit. Lis le verset qui est en haut, juste un peu. Matthieu 16, oui. Le verset 22. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il reprend Jésus et puis dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur. Maintenant, suis-moi bien. Celui à qui Dieu vient de parler, regardez ce que Jésus va dire. Je veux que
toi et moi, on interprète ensemble, mot pour mot. Jésus lui dit, il regarde Pierre. Oui, il dit, arrière de moi, Satan. Ah, Pierre a dit quoi simplement? Pierre a dit, tu ne vas pas mourir, c'est tout. Amen. Mais Jésus voit à travers les dits de qui? De Pierre, Satan. Attends, quelqu'un à qui Dieu vient de parler tout à l'heure. 5 minutes plus tard, Satan est rentré. Il dit, arrière de moi, Satan. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit que arrière de moi, Satan, en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui appartient à Satan qui est rentré en Pierre, sans que Pierre ne sache. Amen. Pourquoi il dit ça? Regarde ce qu'il dit. Oui. Tu mets en scandale, oui, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelqu'un dit amen. Suis-moi bien. Donc, il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de qui? Les hommes. Les pensées des hommes. Doucement. Jésus dit, il traite Pierre de Satan à cause des pensées que Pierre a eu à émettre. Amen. Et ces pensées-là, il dit, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus est en train de dire, toute personne qui est connectée avec Dieu, suis-moi bien. Si une personne n'est pas, c'est ce que Dieu prend par la négation, tu vas comprendre. Si une personne n'est pas connectée avec Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu, pour que la lumière de Christ se révèle en lui, alors cette personne-là auront des pensées égales aux pensées du diable. En d'autres termes, toute personne qui n'est pas connectée avec Dieu, qui n'a pas une relation avec Dieu, ne réfléchira pas comme Dieu, mais il va réfléchir comme qui? Le diable. C'est amen. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la meilleure façon de prendre de bonnes décisions, c'est quoi? Pour que Dieu impose sa volonté, c'est d'être toujours connecté à Dieu. Mais lorsque nous déconnectons de Dieu et qu'on n'est plus connecté à Dieu, toutes les décisions qu'on va prendre, il y a des décisions du diable qui vont se mélanger dedans. Amen. On est d'accord? Amen. Donc, si on revient à la partie connectée de Dieu, la partie qui n'est pas connectée de Dieu, c'est quoi? Les convoitises charnelles. Ces convoitises charnelles peuvent devenir diaboliques. Ça dit quoi? Sans nous savoir, sans savoir, tu réfléchis à quelque chose, mais en réalité, ces idées-là ne viennent pas de toi. C'est le diable qui a mis cette idée-là. Amen. Et tu crois que c'est toi qui as pensé ça. L'idée de, ah, il fait chaud, sort, tu n'as pas été à l'église. Ah, c'est qu'elle a fait les prières tous les jours. Toi, tu penses que c'est toi. Oh, c'est une bataille à l'intérieur de toi. Que le diable est excité. Ton cœur peut dire, ah, normalement, il fait chaud, il faut être dans la climatisation, sort. Si tu ne gagnes pas cette bataille contre le diable dans ton cœur, tu ne peux pas gagner la bataille contre le diable à l'extérieur. Amen. Dis amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, il est tellement important. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous sommes connectés avec Dieu, nous aurons quoi? Les pensées qui viennent de Dieu. Et si nous avons les pensées qui sont de Dieu, la partie de l'âme va prendre le dessus sur quoi? Les convoitises de la chair. On va gagner la bataille et les sorciers ne pourront pas nous atteindre. Mais si nous sommes déconnectés de Dieu, amen, amen, alors le diable va exciter les désirs de notre chair. Et ces désirs de notre chair là vont prendre le dessus sur le désir de notre soif de Dieu. Et on va s'éloigner de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, les sorciers vont nous tuer. Amen. Si je veux juste résumer jusqu'à là, dans cette phrase. Ton problème, ce ne sont pas tes ennemis extérieurs. Quel combat qui se passe à l'intérieur de toi? Mais ce combat est excité par le diable qui ne te rend pas compte. Il te donne des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées sur les prêtres. Des mauvaises pensées sur les pasteurs. Oui, mon cher, on ne va pas à l'église à cause d'un homme. On va à l'église à cause de Dieu. Amen. Des mauvaises pensées sur la manière de vivre des autres. Non. Le plus important, l'autre c'est l'autre, toi c'est toi. Amen. Il dit, alors que Jésus attendait à ce que, quoi, il puisse avoir une vie de prière. Jésus les envoie à Gethsémané, il dit quoi? Veillez et priez avec moi. Jésus s'en va, il revient, ils sont endormis. Il dit quoi? Dans Matthieu 26, verset 41, il dit quoi? L'esprit, il dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il dit, veillez et priez, amen, afin de ne point tomber en la tentation. Il dit, car quoi? L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Amen. Encore, l'esprit qui est l'âme, la chair, qui sont les convoitises charnelles. Donc pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu tenir? Parce que quoi? La chair a pris le dessus. Donc il fallait quoi? Vaincre, on peut se parler? Amen. Pour qu'ils arrivent à vaincre le sommeil physique qui les a fait dormir, fallait vaincre quoi? La guerre entre l'esprit qui est en eux et quoi? Et la chair à l'intérieur d'eux. Amen. Tu vas mieux comprendre. Est-ce que souvent, ce n'est pas l'heure de dormir et puis tu ne dors pas? Hein?
Pourquoi tu ne dors pas? Ce manque de sommeil là, perdu à quoi? Pas parce que le sommeil naturel ne veut pas venir. Le sommeil naturel veut venir. Mais il ne t'arrive pas de manquer de sommeil ou quoi? Tu commences à réfléchir sur une situation. Mais la réflexion de la situation, ce n'est pas une bataille qui est là. Comment faire pour travailler demain? Comment faire? Dès qu'il y a des questionnements, il y a une bataille. Donc le sommeil, pour avoir le sommeil physique, il faut d'abord quoi? Avoir le sommeil à l'intérieur. Amen. Donc la paix extérieure dépend de la paix à l'intérieur. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher dans la stabilité avec quelqu'un si toi-même tu n'arrives pas à être en paix avec toi et en paix avec Dieu. Amen. Donc le fait que tu n'es pas en paix avec les gens, ce n'est que quoi? Ce n'est que la partie révélée de la personne qui n'est pas en paix avec elle-même à l'intérieur, c'est tout. Amen. Il dit marcher selon l'esprit afin de point accomplir quoi? Les désirs de la chair. Ça c'est Galates 5. Il dit car quoi? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je vais finir par un exemple. N'oublions pas qu'il dit tout ce qui est charnel est quoi? Peut devenir quoi? Diabolique. Ça veut dire que le diable peut passer par exciter notre chair sans qu'on se rende compte. Mais comment est-ce que le diable arrive aussi à rentrer? Suivez-moi bien. En réalité, c'est parce que depuis le jardin d'Éden, suivez-moi bien. Quand le diable, suivez-moi bien. Quand le diable est venu, il est venu pour créer la division entre l'homme et puis Dieu. Mais en même temps qu'il a créé, il a laissé des semences en l'homme. Je reprends. Qu'est-ce qui crée la guerre entre la chair et que la partie quoi, extérieure qui ne veut pas Dieu et la partie intérieure qui veut Dieu? Qu'est-ce qui crée ce combat-là? De telle sorte que nous, on n'arrive pas à avoir la victoire pour dompter la chair, pour dire à la chair, suis Dieu. En réalité, c'est parce que le diable excite. Et pourquoi le diable excite? C'est parce que le diable, dès l'origine, a laissé déjà des semences. Suis-moi bien. La grosse bataille pour laquelle toi et moi, nous allons prier aujourd'hui. On parle de la bataille charnelle qui est à l'intérieur. Mais précisément, la nature que le diable a laissée en nous. Le diable vient, il n'a rien à moi, il s'en va. C'est ce que Jésus a dit. C'est Jean 14, 30. Amen. C'est ça, non? Amen. Jean 14, 30. Il dit, le diable vient, il n'a rien à moi et il s'en va. Ça veut dire que tant que tu n'as pas des choses qui appartiennent à la nature du diable en toi, le diable vient, il s'en va. Amen. Donc, même s'il y a guerre à l'intérieur de toi, si le diable arrive à exciter, c'est parce qu'en réalité, toi-même là, tu as quelque chose du diable caché en toi. Amen. Qu'il faut te séparer. Amen. C'est ça, Jean 14, 30, oui? Oui. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il dit quoi? Le prince, il n'a rien en moi et il s'en va. Amen. Donc, Jésus ne dit pas que le diable ne va pas venir nous combattre. Mais on se bat à deux, on ne se bat pas seul. Donc, si Satan vient, que je ne me bats pas, il s'en va. Mais qu'est-ce qui fait que le diable se bat? C'est parce qu'il a trouvé cette nature qui lui appartient, qui est en moi. Amen. Mais cette nature-là, suivez-moi bien, cette nature-là a commencé depuis le jardin d'Éden. N'oubliez pas que comment on a prêché le message d'hier. Je vais vers la fin. Dans le message d'hier, la Bible dit que le diable, l'accusateur de nos frères, amen, descend sur la terre animé de quoi? D'une grande colère. Donc le diable vient vers nous dans le but de nous combattre. Donc son but c'est de quoi? De nous détruire. Donc il faut qu'il nous détruise où? À l'intérieur, mais aussi où? À l'extérieur. Amen. À l'extérieur, c'est les attaques qu'on voit. Mais l'extérieur ne peut pas rentrer si quoi? Quelqu'un n'est pas à l'intérieur, pourquoi? Pour ouvrir la porte. Vous voyez souvent des maisons où quoi? Tout est barricadé et puis un coup, on dit ils sont venus voler. Je coupe du sang de Jésus. Quand on parle de banque, quelqu'un qui va faire un retrait, ça on voit ça courant. Et puis la personne se fait braquer. Or la personne n'a pas dit à quelqu'un. Très souvent on dit quoi? La personne a toujours un complice. Soit c'est quoi? C'est quelqu'un dans la banque ou bien c'est quelqu'un qui était à côté de la personne. Amen. On est d'accord, non? Oui. Donc pour que l'extérieur agisse, c'est l'intérieur. Oui. Donc la bataille de l'extérieur pour le diable, ça ne compte pas. C'est la bataille de l'intérieur. Parce que tant que la bataille de l'intérieur, il gagne, et tous vont rentrer. Ouais. Colère, rancune, tu es tout en malade. On prie pour toi ou tu ne guéris pas. Aujourd'hui, opération, on doit les faire sortir. Amen. Mais pour faire sortir, il va falloir te débarrasser de certaines natures que le diable t'a donné sans te rendre compte, qui activent cette guerre. Amen. J'ai fini par ces deux points. Suis-moi. En réalité, le diable lui-même, là, il est orgueilleux. Et sans se rendre compte, le diable nous a donné cette nature d'orgueil-là. C'est ça qui combat en nous. J'aimerais vous dire, nos premiers ennemis ne sont pas les hommes à l'extérieur. Notre premier ennemi, c'est notre moi.
notre moi, notre orgueil, notre fierté. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que Dieu nous avait créés, on vivait en parfaite harmonie. Le diable vient. D'abord lui-même. Il compte sur quoi même? Hier, je vous ai dit ça. Le diable compte sur quoi? Lui, créature, pour prendre la place du créateur. Bon, ok. Qui va l'aider à prendre la place du créateur? Dis-moi qui. Puisque c'est Dieu qui a créé tout. Bon, celui qui a créé tout, tu veux le remplacer. Qui va t'aider? Je ne sais pas si vous me comprenez. Qui va t'aider à prendre la place de celui qui a créé tout? Attends, c'est plus facile de prendre la place de celui qui n'a pas créé quelque chose. Oui. Mais celui qui a créé tout là, tu comptes sur quoi pour prendre sa place? Vous me comprenez? On va doucement, j'ai fini avec la fin. Et la Bible dit, quand tu prends Ézéchiel, la Bible dit que son cœur s'éleva. Amen. Il voulait prendre la place de Dieu. On dit son cœur s'éleva. Le mot élevé, c'est prendre le dessus. Et quand tu prends, suis-moi bien, quand tu prends la définition hébreu de orgueil, ça signifie s'élever au-dessus, prendre de la hauteur. En d'autres termes, le diable voulait prendre quoi? Prendre de la hauteur, aller au-dessus de Dieu. Oh, au-dessus de Dieu, il n'y a que Dieu qui est là-bas. La créature ne peut pas prendre la place du créateur. Mais comme le diable sait qu'il est orgueilleux, il dit, pour détruire l'espèce humaine que Dieu aime tant, que je viens combattre, je vais lui donner une nature sans se rendre compte. Je peux descendre maintenant. Soit, suis-moi bien. Voici comment le diable a introduit la nation, la sémence d'orgueil. Un orgueilleux, ce n'est pas qu'il est orgueilleux. Ça, il faut que je vous le dise. L'orgueilleux se rend compte qu'il est orgueilleux le jour où il a chuté. Parce qu'il a vu que l'orgueil précède la chute. Amen. Regarde ce que le diable fait. Il arrive vers l'homme et la femme, il dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit, on est d'accord, non? Amen. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger? La femme a dit, oui. Le diable dit, c'est faux. Suivez-moi bien. Il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, Amen. Vous serez comme des dieux. C'est français. Il dit, tu peux me trouver ça? Genèse 3. Je vais la réponse et puis on va bien décortiquer. Genèse 3, et puis nous allons prier. Oui. Le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Doucement. Il dit, Dieu sait. Quand il est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que Amen. Vous n'allez pas manger? Il dit, non. Ils lui ont répondu, oui. Il dit, c'est faux. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez être comme des dieux. Dis avec moi, comme des dieux. Comme des dieux. Vous savez ce qu'il vient de planter en l'homme? Il est en train de dire à l'homme que vous serez comme des dieux. Suivez-moi bien. Il dit à l'homme, tu dois chercher à quoi? À t'élever en hauteur. De telle sorte que tu peux te mettre quoi? Au-dessus de Dieu. Afin de pouvoir contrôler tout comme Dieu. Amen. Il dit, vous serez des dieux. Pourquoi il leur rappelle ça? Il est en train de dire à l'homme que celui qui vous a créé là, c'est vrai que vous êtes fait à, il vous a fait à son image. Et il vous a donné la position de Dieu. Pourquoi il vient les rappeler? Il est en train de leur dire que quoi? Que vous pouvez vous élever au-dessus de quoi? Au-dessus du Dieu créateur. De telle sorte que vous n'aurez plus besoin de lui, puisque vous-même vous êtes appelé Dieu. Amen. Puisque, si vous êtes appelé Dieu, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui s'appelle Dieu pour vous aider? Non. Vous voyez comment l'orgueil fait? L'orgueil nous amène à quoi? À nous élever au-dessus du Créateur. Et de croire que lui et moi, on est même chose. Oh, suis-moi bien. Même si nous avons été créés à l'image de Dieu, on n'est pas Dieu. Amen. Même si on ressemble à Dieu, mais on n'est pas Dieu. Amen. Même si on a les caractéristiques de Dieu, mais on n'est pas Dieu. Amen. Et on ne va jamais devenir Dieu. Amen. En d'autres termes, la créature reste créature. Le Père reste toujours Père. Le Fils restera Fils. Amen. Quel que soit ce que tu as, tu peux jamais devenir plus important que ton père. Amen. Tu peux devenir un père à ton niveau, mais au-dessus de toi, c'est tout ton père qui t'a engendré. Amen. Oh, votre amen. Amen. Quand les choses commencent à te prendre la tête et que tu penses que ta position est plus importante que celui qui t'a engendré, l'orgueil t'a perdu. Amen. Vas-y, comprends? Amen. Voici une guerre où on doit gagner. La guerre où? Tu dois connaître ta place dans la maison de Dieu. Tu dois connaître ta place dans la vie. Tu peux avoir l'argent que ton père biologique, que ta mère biologique, mais cela ne fait pas de toi quoi? Le père de ton père. Amen. Cela ne fait pas de toi du fait pas de toi le père de ton père. Parce qu'être père, ce n'est pas avoir quelque chose plus,
plus gros que ton père. Et ton père, c'est celui qui engendre. Tu es sorti de qui? Donc celui de qui tu es sorti, quel que soit ce que tu as, tu ne seras jamais plus grand que lui. Il dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Amen. Et c'est l'orgueil qui fatigue beaucoup de personnes. L'orgueil fait que tu veux t'élever au-dessus de celui qui t'a créé et avoir le commandement sur tout. Un fils reste un fils. Il n'y a pas deux fils. Amen. Quel que soit ton niveau de prière, quel que soit ton niveau de jeûne, tu n'es pas plus important que ton père spirituel. Amen. Tu n'es pas plus important que ton père biologique, même si tu prophétises. Amen. Oui, ça, il faut que je vous le dise. Même si tu parles la langue, même si tu fais des miracles, mais celui qui t'a engendré là, c'est celui qui t'a introduit dedans. Amen. Les visages ont changé. Et ce sont ces batailles qui se combattent à l'intérieur de nous. On veut être mieux que les gens. La partie de Dieu dit quoi? Ne cherche pas à prouver. Hein? Humilie-toi. Abaisse-toi. Soumets-toi volontairement. Mais l'autre partie, Chanel dit, Paka, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. C'est dans quel coup vous nous commander ici? Chez Dieu, ce n'est pas qui commande. Chez Dieu, le plus important, qui l'obéit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Dieu ne cherche pas un commandant. Dieu cherche quelqu'un qui obéit. C'est tout. Dans toute la Bible, il dit, si tu obéis à ma loi, il ne cherche pas un commandeur. Tu as développé ta vie spirituelle et maintenant là, tu ne fais plus rien. N'oubliez pas, je peux te parler. On est toujours enfant de Dieu, quelle que soit notre position. Amen. Savez qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas mon titre qui va me faire rentrer au ciel. Ce n'est pas la place que j'occupe dans la société qui va me faire rentrer au ciel. Ce qui va me faire rentrer au ciel, c'est quoi? C'est mon alliance avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas mon titre là-bas. Ça veut dire, quel que soit le titre que tu as dans la vie, la richesse que tu as, il faut toujours garder la valeur d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit prier. Il y a des gens, depuis que tu diriges, que tu pries, prie toi seul. Ah. Moi, en tant que pasteur, je ne suis pas pasteur pour vous d'abord. Hein. Je suis d'abord enfant de Dieu. Donc, je dois faire des choses enfant de Dieu. Et puis maintenant, je le sais. Voilà pourquoi il dit dans les derniers temps, il dit, arrête, il dit quoi? C'est pas en ton nom que nous avons prophétisé? Non, il dit, arrête de moi, je ne vous connais pas. Parce que ces personnes se sont attachées au titre et ils ont laissé tomber quoi? Le côté de la vie d'un enfant de Dieu. Donc, être ancien dans Dieu ne veut pas dire que où tu es là, ça fait une garantie. Ce qui est important, c'est notre capacité à nous rabaisser. Notre capacité à quoi? À nous attacher à Dieu. Le diable a semé là. Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Chacun cherche à prouver. Quand tu vis, quelles sont les batailles qui sont dans ton cœur? Je vais avoir l'argent. Mais la réalité, quelles sont les intentions pour lesquelles tu vas avoir l'argent? C'est parce qu'on t'a frustré. Moi aussi, j'ai payé voiture. Est-ce que tu veux payer voiture pour faire les affaires? Ou bien tu veux payer les voitures? Parce que dans tout ton quartier, tout le monde paye voiture pour faire du bruit. C'est de cette bataille qu'il est question. Amen. Quelles sont tes intentions? Dieu ne regarde pas la prière, les intentions, dans le cœur, les motivations. Pourquoi est-ce que tu es pressé de te marier? Tu es pressé de te marier parce qu'on t'a trop insulté célibataire à la maison. Tu es fatigué de laver les assiettes à la maison. Tu es fatigué de dormir au salon. Donc toi aussi, tu veux te marier pour être chez toi, pour prouver aux membres de ta famille que tu peux être chez toi. Tu peux être chez ton mari. Mais tu peux quitter tes parents, venir chez ton mari et ne jamais te marier. Amen. Pourquoi tu veux travailler? Je veux travailler parce que moi aussi, je veux pouvoir porter de jolis habits. Regarde, tu es esclave de jolis habits. Parce que quand tu vas travailler, suis-moi bien, ceux qui vont t'aimer à cause de tes habits ne te connaissent pas. Parce que la vraie personne qui t'aime ne t'aimera pas à cause de ta valeur de ton habit, mais à cause de la valeur de ton esprit. Amen. 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 Et j'aimerais vous dire une phrase. La beauté au niveau du comportement, on en trouve. Mais rares sont les beautés au niveau de l'esprit. Amen. Les beautés au niveau de l'extérieur, là, on peut trouver, c'est beaucoup. Mais ce qui va te faire durer, c'est la beauté de ton esprit. C'est-à-dire que derrière cette beauté, quand tu parles, est-ce que tu donnes envie d'être écouté? Amen. Quand tu parles, est-ce que tu parles comme quelqu'un qui est adulte, mature? Tu as toutes ces choses, mais ce qui sort de ta tête, ce n'est que des âneries. Excusez-moi une parenthèse, je retire. Ce n'est que des bêtises. Amen. Tu t'attendais à quel thème? Priez jusqu'à remporter la... Les gars, on a trop fait délivrance. On s'attaque à eux. Hein. Mais le problème, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas les attaquer. Si tu n'as pas encore fini avec cette bataille-là, ce n'est pas la peine. Qui suis-je? Découvre qui tu es. La découverte de qui tu es te ramène avec quoi? L'origine avec Dieu. Quelle est la partie qui est en moi qui veut plus de Dieu?
est-ce que ça triomphe de la partie qui croit qu'il ne veut pas de Dieu? Alors ton identité va sortir. Amen. Mais le diable aussi a donné une autre nature, je finis par là. N'oubliez pas, quand il descend sur la terre, on dit quoi? L'accusateur de nos frères. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, on n'arrive plus à aimer les uns les autres? On ne vit que par accusation. Dès que le diable, comme il est accusateur, dans cette parole, il a mis l'accusation. Quand ils ont fini de manger là, quand Dieu est venu, on est d'accord, non? Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis caché. Il dit, car je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? On est d'accord, non? Amen. Il dit, as-tu mangé quoi? Le fruit que je t'ai défendu. Adam ne répond pas, oui, j'ai mangé. Il dit, c'est la femme. Aïe. Aïe. C'est ça, non? Amen. C'est la femme que tu as mis à côté de moi, là, qui a mangé. Qu'est-ce que Adam est en train de dire à Dieu? Il est en train de dire à Dieu, quand j'étais seul ici, dans le jardin, sans la femme, je n'ai jamais mangé. Mais depuis que tu as mis la femme à côté de moi, c'est elle qui m'a poussé à manger. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté. Ça veut dire que lui-même, suis-moi, hey, Seigneur, que Dieu nous aide. L'homme avait besoin de la femme, hein. Mais tu comprends, non? Quand il y a un problème maintenant, il fait semblant comme il n'a pas besoin. En réalité, il a besoin. Il dit, c'est la femme que tu as mis. Donc, il commence à accuser. On a pris ça au dos. C'est le diable. Et ce sont des batailles qu'on doit gagner. Aujourd'hui, chacun de nous, et suis-moi bien, celui qui est orgueilleux ne reconnaît jamais son erreur. Il trouve toujours quelqu'un à accuser. Aujourd'hui là, on ne va pas accuser les sorciers extérieurs. Le premier sorcier de ta vie, c'est nous-mêmes. Amen. Aujourd'hui là, laissons nos oncles, notre temps tranquille. La première sorcellerie, mais le premier sorcier en grade de ta vie, c'est toi-même. À quel niveau ton orgueil est monté, ta vie d'accusation est montée. Amen. Si on ne gagne pas cette bataille, vous n'allez jamais gagner cette bataille extérieure. Tu pourras gagner cette bataille extérieure par quelqu'un qui combat avec toi. Celui qui combat avec toi là. Tant qu'il est là, les gens ne vont pas venir. Mais un jour, il va quitter, non. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Quand on va prier avec vous, il y a certains types d'ennemis qui ne vont pas vous attaquer. Mais je ne suis pas éternel. Un jour, je ne suis pas là. Tu fais quoi? N'a jamais vu quelqu'un qui dit, c'est pas toi-même qui garant les gens ici. Toi là, c'est à cause de ton frère. Hein? Je te laisse. Tant que son frère est là, tu fais quoi? Tu ne touches pas. Mais le jour que le frère n'est pas là, tu fais quoi? Le problème n'est pas que le frère soit là. Le problème, c'est qu'il faut que nous apprenions à gagner la bataille. Mais pour qu'on gagne la bataille, prenons le dessus. Nous devons tuer notre moi. Voilà pourquoi dans Luc 9, verset 53, il dit que celui qui veut venir après moi se charge chaque jour de sa croix. On dit chaque jour. On n'a pas dit il charge la croix une seule fois. Ça veut dire que la bataille en nous, c'est chaque jour. La bataille de la partie de Dieu, la partie qui veut Dieu, la partie qui ne veut pas Dieu, c'est chaque jour. Mais pour que la partie de Dieu prenne le dessus, fais quoi? Il faut charger ta croix. En d'autres termes, il faut crucifier les œuvres de la chair. Amen. Chaque jour, Seigneur, tout ce qui est mon moi, je crucifie. Amen. Tout ce qui m'empêche de dire la vérité, je crucifie. Amen. Tout ce qui m'empêche de pouvoir me soumettre aux gens, je crucifie. Amen. La bataille, c'est tous les jours. Et quand tu remportes ça, ta journée est gagnée. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce que le message vous a fait du bien? Non. Mais c'est un message de haut niveau. Je te donne un conseil. Repars à la maison. Il faut aller cliquer sur YouTube. Ta prophète Béranger Kouassi. Il faut réécouter le message. Si tu réécoutes le message, le combat à l'extérieur, contre par exemple la drogue, c'est à l'intérieur. C'est une dépendance. Donc pour que quelqu'un laisse la drogue. Et la dépendance, ce n'est pas seulement la drogue. La dépendance, c'est ce qui quoi? C'est ce qui empêche ta volonté de s'exprimer. Donc le sexe peut être une dépendance. L'alcool peut être une dépendance. Suivez-moi bien. Compter aussi sur les gens, ça peut être aussi une dépendance. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne vois pas quelqu'un, tu ne fais jamais rien. C'est-à-dire que si tu vois aller se laver, c'est qu'on a dit, va te laver. Si tu vois la personne, va manger. C'est qu'on a dit, va manger. C'est-à-dire que la personne, sa vie est dictée toujours. La personne n'a pas de personnalité. Quand tu es dépendant, tu n'as plus de personnalité. Et ce n'est pas la drogue seulement qui tue. C'est toutes ces dépendances aussi qui tuent. Amen. Quand tu es dépendant, je finis par... Quand tu es dépendant affectif, c'est-à-dire que, suis-moi-même, tu te sens aimé que lorsqu'on te prouve qu'on t'aime, bon, si tu tombes sur un manipulateur, mais tu es cuit. Je reprends. Les dépendants ou dépendantes affectives, pour toi, la seule chose qui montre qu'on t'aime,
C'est qu'on le dit. C'est qu'on le fait. Si le manipulateur sait ça, tu es mort. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre parce qu'il veut prendre quelque chose de toi. Tu sais, tu es un bon fidèle. Tu fais bien. Oh papa, oh papa. On n'a pas dit de ne pas le dire. Mais on ne devient pas dépendant. Ça veut dire quoi? On t'a dit, on ne t'a pas dit. Oh. Tu restes toujours toi. En fait, toi, tu te sens toi que lorsque quelqu'un te dit qui tu es. Non. Tu dois te sentir toi qu'on t'a dit ou pas, tu es toi. Amen. Aïe. Tu te lèves matin, bonheur, tu ne m'as pas salué. Je m'appelle comme ça. Tu m'as salué, je m'appelle. Le fait que... Il ne faut pas devenir dépendant affectif. Mais ne pas être dépendant affectif, ça n'a pas aussi déréglé, suis-moi bien, ce qu'on appelle les passions de la chair. Ça dit quoi? Dieu nous a dit d'épargner, c'est vrai. Mais dans l'épargne, quand la chair se dérègle dans l'épargne, puis la passion dans l'argent, c'est quoi? Tu deviens égoïste. Or, nous avons vu l'un des péchés. La Bible dit que les égoïstes ne le diront pas. Égoïste, c'est celui qui ne donne jamais rien. Égocentrique, tout est figé sur toi. Tu n'as ton bonheur que lorsque tu trouves ton intérêt quelque part. Non, c'est un dérèglement de la chair. Sans toi, toi. Même quand les gens disent que tu n'es pas toi. Sans toi, toi. Amen. Et toi, tu te sens toi à cause de l'identité que Christ t'a donnée. De ce que quoi? Ton amour pour Dieu grandit de jour en jour, de jour en jour, de jour Amen. En jour. Amen. Dieu te bénit. Dis avec moi, Seigneur. 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 Il y a des batailles à l'extérieur. Il y a des batailles à l'intérieur. Que je dois remporter. Dis, c'est les batailles contre les sorciers. Dis, les batailles contre les mystiques. Batailles contre les mystiques. Mais la victoire dans ces batailles. La victoire dans ces batailles. Dépend de la victoire dans la bataille intérieure. Dépend de la victoire. Dis, il y a des batailles à l'intérieur de moi. Il y a des batailles. Dis, je dois prendre le dessus. Je dois prendre le dessus. Dis, cette bataille. Cette bataille. Qui est entre la partie qui aime Dieu. Qui est la partie qui aime Dieu. Et la partie de notre cœur qui ne veut pas aimer Dieu. Et la partie qui ne veut pas aimer Dieu. Je dois pouvoir développer ma vie de prière. Je dois pouvoir développer ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. Afin de prendre le dessus dedans. Afin de prendre le dessus. Il dit alors que l'homme intérieur se renouvelle. Alors que notre homme intérieur se renouvelle. Dis autant pour moi, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dis 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Le verset 18. Verset 18. Il dit alors que votre être... extérieur se détruit. Alors que notre être intérieur se détruit. Il dit votre être intérieur se renouvelle. Notre être intérieur se renouvelle. Seigneur, ma chair doit être détruite. Seigneur, ma chair. Le désir charnel doit être détruit. Le désir charnel doit être détruit. Seigneur, le désir charnel. Seigneur, le désir charnel. C'est ce qui tue les choses de Dieu en moi. C'est ce qui tue les choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui. À partir tout ce qui est orgueil. Dit orgueil. Accusation. Toi qui agis en moi. Pendant que je bats les mains. Je casse cette prise, commence à briser, prise. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est accusation, tout ce qui m'empêche de connaître Dieu, soit chassé, tout ce qui aime orgueil, toute mentalité d'orgueil, tout ce qui aime moi, tout ce qui aime ma personne, qui m'empêche d'être humble, ce soir, soit dégagé. Sois dégagé, tout orgueil soit brisé. Au nom de Jésus. Alors suis-moi bien. Notre comportement à l'extérieur dépend de quoi? De la stabilité à l'intérieur de nous. Amen. Si quelqu'un n'a pas de paix en elle, tu ne peux pas donner la paix dehors. Amen. Tu vas essayer de donner la paix. C'est quand tu commences quelque chose, à la fin, toujours tu vas gâter. Amen. Tu es instable, dis Seigneur. Seigneur. Toute instabilité au niveau de mon comportement. Toute instabilité au niveau de mon comportement. Qui vise à accuser les autres. Qui vise à accuser les autres. Qui vise à me montrer plus que les autres. Qui vise à me montrer. Dis, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Commence à prier. Que tout ce qui me met au-dessus me donne d'être supérieur aux autres, ce soit dégagé. Sois dégagé. Shabara katababa shakatababa baba 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 baba. Au nom de Jésus.
Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardon, je veux que tu lises ce verset de Galates 5 là. Galates 5, verset 24. La Bible que tous ceux qui sont en Christ doivent être censés crucifier les choses de la chair. Galates 5, verset 24. Galates chapitre 5, le verset 24. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Il dit ceux qui sont réellement à Jésus-Christ, oui. Ont crucifié la chair. Ont déjà crucifié la chair, oui. Avec ses passions. Avec quoi ses passions, oui. Et ses désirs. Il dit ceux qui sont en Christ. On n'a pas dit ceux qui vont à l'église. Amen. Donc, celui qui est en Christ, ce qui montre l'autorité, ce n'est pas sa manière de prier beaucoup, mais de venir. Non, non. Ou d'aller à l'église. C'est sa capacité à faire quoi? À crucifier les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair, c'est quoi? Ce sont les dérèglements de la chair. C'est-à-dire que demander des choses hors la volonté de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu donne ne te suffit plus. Tu cherches même à prendre la place de Dieu pour faire. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Ce soir. Je veux crucifier mon moi. Je veux crucifier mon moi. Dis, je vais à l'église. Je vais à l'église. Mais j'ai un problème de comportement. J'ai un problème de caractère. Qui s'est construit à l'intérieur de moi. Tout ce qui est indiscipline. Ma chair doit être disciplinée. Pour cela, je crucifie l'orgueil. Je crucifie le mensonge. Je crucifie la colère. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur et assez-toi.